Oh, je me suis TP. Oh non, ils m'ont TP. Oh! Oh! What? Oh! Ah, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Oh, d'accord. D'accord, ok, bah super. Oh, des torches. Oh, des potions supérieures. Merci, mec. Que je sais pas qui tu es. Ouais, il y a plein de personnes. Parchemin. D'accord, très bien. Salut, mec. Eh, il y a des arrivants. On doit avoir du... Pourquoi qu'on attaque ceux qui... toute cette maîtresse en voix. Ah oui, il y a une voix. Il y a une voix, d'accord. Il y a plus grand monde qui reste depuis longtemps que Gulgash est venu manger. On devrait accueillir les nouveaux au lieu de les tuer. Qui est cette Gulgash? C'est la gueule démente. Elle appartient au concile du songe. Autrefois, mais on l'a exilé à cause d'un crime atroce. Quel nom étrange pour une galotte, tout du moins. Savez-vous ce que ça signifie? Ça dépend du contexte. Cela veut dire hors la loi ou amante. Mais dans le monde des galottes, les deux concepts sont proches. La notion d'amour revêt un sens très différent pour elle. C'est son caquetage qu'on entend résonner dans tout le scan. Elle a tué tant le... Bon, vous verrez passer pour vous soucier de la vieille Gulgash. C'est délire, ces clients-là. Mieux vaut pas leur chercher les noises. Je suis avec vous. Retournons voir la dormeuse. Ah merde, mais ils se sont mariés. Lâche! Ah mais on doit... Oh non mais je dois me bagarre dans l'escalier. Ah non mais pas la... Alors pas la bagarre dans l'escalier. Voilà. La bagarre là. Oula, mais il a pris extrêmement cher. Il a pris extrêmement cher lui. Il a pris si cher dans ses dents. Ah par contre s'il y a la voix tout le temps... Oh, on va y avoir la voix tout le temps. Aïe. L'armure, très bien. Une armure, une masse. Bon, les masses, ça doit pas être utile. Je vais surtout prendre l'or, en fait. Et essayer de comprendre ce que je dois faire. Et surtout, bah, je peux rien faire. Je peux tellement rien faire. Là, si je dors, je prends tous les malus du monde. Et ça me termine. Ça, vraiment, ça me... Ça, j'ai pas envie. Du coup, ouais, y a un cadavre. Malachite, saphir, pièce d'or. Du coup, je suis là et je sais pas trop où je dois aller. Ok, alors il y a des entrées, il y a des trucs, il y a des machins. Ouais. Oh! Élémentaire du feu, rebelle. Attends, il m'attaque? Il m'attaque pas là. Il m'attaque complètement. Mais t'as un élémentaire! Oh, j'aurais tellement pu le manger. Bon, bah ça c'est fait. Du coup, bisous. Ah, mais il y en a un deuxième. Oh, il y en a trois. Ah! Bon, ça va, ça gère. Ça gère à peu près. Je sais pas comment on gère, mais on gère. Merci à Oku d'être présent, surtout. Ok. Bon. Ce que je vais faire, parce que là on est dans le skein. C'est que ma barre est très basse, je vais essayer de trouver un moyen de la remonter, je m'en fiche. Si c'est encore de la... si je triche, sachez-le. Mais je vais déjà sauvegarder et je vais chercher ça. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite en fait. On fait comme ça. Bien. Et me revoilà. Alors, je n'ai pas utilisé un cheat, mais... La communauté étant ce qu'elle est et très sympathique, il y a un petit mode qui a été rajouté où en gros, je peux utiliser l'assouvissement sans aucune pénalité. Pardon, excuse-moi, j'ai bafouillé. Ce qui fait que, voilà, c'est de la triche, mais ça va. Et là, je vous le dis,
la remarque qui a été mise dans le... Dans le message du mod, c'était pour ceux qui n'apprécient pas trop cette feature, ce qui a été ajouté. Il faut reconnaître que la feature c'est moyenne bof. Et en plus il y a des Teltors ici, c'est n'importe quoi. Oh là là. Bon par contre l'assouvissement. C'est marqué pour plus de roleplay, utilisez-le à partir du stage 3 de la fin. Donc je ferai en sorte, à moins de cas de force majeure bien sûr, de ne pas utiliser trop souvent ceci. Je récupère les essences et du coup on va en profiter pour explorer le skin. Alors là il y a un mur, donc déjà c'est pas le bon chemin. Et la zone est... Putain, c'est une zone qui est extrêmement... Oh, attends, si, je peux passer. Ah non, je peux pas passer. C'est une zone qui est très peu lumineuse et qui est surtout très labyrinthique. Oh, mon amour, mon amour. Ouais, puis la dame elle parle. Je tiens à dire que la VF est quand même incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est ? Attendez, j'ai vu un cadavre. Non, c'est un cadavre par terre. Je l'ai vu. On est en train de marcher dessus, c'est ça ? Un cadavre boursouflé. Est-ce que je peux y accéder ou... Ah, oh, voilà. Ouais. Ah, j'ai pu... D'accord, mais il y avait un cadavre là et le jeu a coûté. Bon, alors, il va falloir que je sache où aller. Ça, je peux pas y... Bah si, mais il y a une porte là. Il y a une... Ah, il y a de l'eau partout. Oh là là. Et... Ah oui, il y a des cadavres boursouflés dans l'eau. Et je peux pas aller dans l'eau. Ok. Ça va être le moment où je vais devoir aller chercher une... Ok, il faut que je trouve un chemin. Et à mon avis, il faut que j'aille de l'autre côté. Ah, attendez. Non, ça c'est là. Oui, ça c'est là d'où je viens. Et a priori, par... J'ai fermé, et là ça a fermé la porte. Pourquoi ça a fermé la porte? Oula, le jeu aime pas trop ce qui se passe. Hein. Le jeu aime moyennement ce qui se passe. Le cadavre là, je l'ai fouillé, oui. De l'autre côté, bah oui, de l'autre côté. Oui, donc là il y a un chemin derrière. Oui, bah la dame ne va pas bien, on avait compris ma grande. On avait compris, il y en a deux là qui font leur vie. Enfin, il y en a un surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Là il y a de l'eau. Donc je peux pas y aller. Et là-bas. Là, il y a un feu, et là, il y a un croisement. Oula, oulala, oulala. Des gens mis. Ah non, c'est... Il y a des gens... Oula, il y a des gens derrière, ici. Alors par contre, il y en a une qui est plus résistante que l'autre, c'est normal ou c'est moi? Non, c'est moi. C'est juste qu'ils avaient choisi de prendre un autre endroit. D'accord. Ouh, des potions. Toujours utile. Ouh, 5. Oh, le plein de potions. Oh là là, au coup. Au coup, au coup, au coup. Très très bien. Ah. Il se passe une bagarre, ouais. Élémentaire de l'air noble. Oh, ok. Ah ouais, j'ai refait le plein de potions. Ok, donc...
Non, ça c'est le nôtre, ok. Poudre lumineuse. Une étrange substance, elle semble saturée d'énergie. Ça peut vous agacer, non? Ce sommet. D'accord. Donc il y a des choses étranges. Oh, un cadavre. Ce cadavre semble récent. Bien vu. Alors. Là, il y a. Oh! Oh! Gulka. Oh, je sais où elle est. D'accord, donc là, il y a la Gulkash. Du coup, on va continuer par ce chemin-là. Parce que j'ai pas le choix. Ça va être un vrai labyrinthe au secours. Il y a quoi derrière? Ah! Gérard Ruisseleur. Nous sommes plus nombreux et d'autres sont cachés dans les. Oh non, il y a une bagarre. Je crois qu'il y a une bagarre avec un élémentaire et une mère. Je ne vous vaux aucun mal. Ils m'ont attaqué. C'est. J'étais là, ce guenon est devenu fou, je t'avais dit qu'il craquerait. Quoi? Il y en a qui sont ici depuis trop longtemps, c'est des rois un peu fous. Je ferai de mon mieux pour vous répondre, je ne sais pas grand chose. Bah attends. D'accord. Ouais, bah deux secondes, frère. Il y a une bagarre. Il y a une bagarre et Kaline est toute seule. Et la dame est un peu folle. Hein. La dame est même très très folle. Il y en a deux là qui se foutent de moi. Hein. Voilà. Ah, mais les trois étaient bloqués là. Ah non, c'était l'élémentaire. Allez! Putain, il est tout seul. Hein. Je l'ai fait tout seul, les mecs, hein, vous rendez compte. Donc, maintenant, on va parler au Ruisseleur. Par contre, il faut venir. Suivez-moi! Faut venir. Hein. Alors, allez-y. Que savez-vous du Skein? Je ne sais pas quelle réponse. Je dis chercher, il n'y a pas grand-chose à part vivre au jour le jour, surveiller, c'est pas demain. Que savez-vous des élémentaires? Ce gros élémentaire de terre au sud-ouest, mais au moins il est enfermé. Contrairement aux élémentaires d'air, d'accord. On ne peut pas le tuer, on a essayé une fois, mais il s'est évaporé. Ah, pourquoi il y a autant d'élémentaires? La dormeuse ne nous a pas dit, il y a un magicien Genasi ici, il n'y a pas longtemps qu'il avait des idées folles. Et qui est devenu le magicien, il est parti en disant qu'il avait trouvé un moyen de sortir. Ce croyait très malin, il disait que cet endroit avait été créé par des gens masqués et qu'ils avaient laissé des engins masqués pour contrôler les élémentaires. Oh, d'accord. Et qui est la dormeuse? Elle est envoyée ici par une maîtresse comme les autres, mais elle est différente. Et la plupart des exilés qui réussissent sont terrifiés et méfiants. Elle était calme, vulnérable, paisible, on l'a amenée ici pour la protéger et elle a commencé à dire des choses profondes à nous guider. De quoi parle-t-elle? Parle de la mort et de la vie, des leçons, d'accord, ok, et très bien. Combien de temps êtes-vous ici? Si longtemps. Parlez de Gulkash. La démonte va vous entendre, elle va venir et tous nous tuer. Pourquoi? Je ne prends. Bon, d'accord. Mais parlez-moi de la démonte ici depuis plus longtemps que quiconque, c'est un délire intense, d'accord. Ok, où est-elle? Il ne faut pas la trouver, la démence, elle vous dévorera vivant et vous empilera le skin des échos de votre tourment. Bon, où est-elle que je sache où ne pas aller? Elle va et vient dans son antre au centre. Ah. Ok. D'accord, d'accord. Donc, ce qu'on a vu, c'est bel et bien. Oh, la dormeuse. Ah, c'est vous, la dame, la dormeuse. Cette femme recèle plus de pouvoir qu'il n'y paraît. Elle arpente les terres du rêve. Tout va bien? Remarquable comme si son corps était un vaisseau, un vase renfermant les rêves. D'une certaine façon, chaque créature a ce pouvoir, d'accord. Elle ne pense pas voyager sans son rêve et survivre sans quelconque ancrage sur l'esprit. Ses rêves sont comme un tourbillon sans rien pour me retenir ou à quoi me raccrocher, je m'y perdrai. Oh, la dormeuse, journal mis à jour. Ça tient devant vous, calme et oublieuse, je vais la laisser tranquille. Que pourquoi je la tuerais? Certains exilés du Skein sont groupés pour assurer la sécurité. Leur chef spirituel est une demi-dro aveugle qu'on appelle la dormeuse. Vous ne savez pas trop quoi faire d'elle. Moi je connais ça, c'est comme la femme dans Dark Souls là, je sais plus lequel, je crois que c'est le 3.
Donc je vais la laisser, moi je vais aller au centre. Et a priori, si c'est pas là, ça doit être là ou là. On va continuer d'explorer cet endroit. Là, il y a une petite... je peux pas y aller, il y a une petite barrière. Mais là-bas, il y a quelque chose. Ah, oula, un piège. Ah, il y a une saleté, je l'ai pas vue. Elle est où? C'est des rats. On s'est fait avoir par des rats. Au secours. C'est bon? Il y en a encore. Voilà. Ah, il y a un élémentaire. Bon, bah, on va la faire aussi. Oh, il a pris si cher. Oh, il a pris si cher. Il a pris tellement. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Ok. Ok. Bon, on va laisser les drops ici. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh. Oh. Ok. Il y a un cadavre. Ce cadavre ressemble récent. Très bien. Appareil Imaski. Imaskari, pardon. Selon sa société ici, elle adorerait. Ah bah Safia, oui, bon. Cet appareil ne fonctionne pas, mais il ne semble pas cassé. Un globe, examiner la machine. La fonction, d'accord. Ok. Prendre le globe. Ok. Globe Imaskari vide. Fait partie d'un appareil. En jugé par le sang séché à l'intérieur, ce globe doit avoir pour fonction première de contenir du sang. Et sur ce cas-là, ça marche ou. Approchez le globe. Là, le globe se gorge de sang. Ok. Ce globe creux en cristal fait partie de. Il faut le jeter à un catalyseur d'énergie. Il a l'espèce de poudre là des élémentaires. On peut le faire ça. Oh, il y en a un. Oh, il y en a un. Ah, mais alors ça se voit pas, mais je viens de le remarquer maintenant. Tous les petits points noirs, c'est tous les endroits d'intérêt. Au secours. Donc, du coup, il y a 1 million de points d'intérêt maintenant que je les vois. Élémentaires. Il y a des ponts. La cache, la dormeuse. Ok. Voyons. Normalement, il y a de la poudre. Alors, verser de la poudre. Mélange la poudre et ça provoque une intense luminescence. Vibre d'une énergie. Ah, bah là, c'est bon du coup. Ça veut dire que c'est bon normalement. Si c'est juste ça à faire, c'est plutôt simple à comprendre. Alors, je vais placer le globe. Se fiche une ouverture pour le sommet de la machine, ouais. Et ouais, il est là. Ne fonctionne pas, mais ils ne sont pas cassés. Ah. Le poste de commande, un emplacement vide où doit se loger un levier. Ah, il manque un levier. Il manque un levier. Il n'y a pas un levier par là. Il n'y a pas de levier. Faut trouver des leviers. Oh non. Donc il faut le globe, tout ça. Et un levier sûrement pour actionner. Juste l'action de rentrer un truc, le globe, ça ne marche pas. Très bien, admettons. Admettons que la logique soit telle quelle. Putain, par contre, elle commence vraiment à m'énerver. Hein. Mais j'ai pas d'indice sur où peut être ces leviers. J'espère qu'ils sont pas très loin. Je sens ton doux parfum.
Là, c'est quoi? Passage inondé, ok. Il n'y a que des passages inondés ici. Ça, ça sent... Oh, oh. Ah, bah, il y a un... Oui, bon, je vais me le prendre, en fait. Yep, je vais me le prendre. Passage scellé. Ah, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau, passage scellé. Je suis en train de me perdre, au secours. Mais il y a quoi là-bas? Attendez, il faut que j'explore partout maintenant. Là, vraiment, le but, c'est explore partout, découvre tout. D'accord, donc là, il y a que dalle. Je pense que je vais prendre Killin, vu que c'est la seule qui brille dans le noir. Et il est à peine blessé au cou, bien vite fait. Mais alors, où je peux trouver un levier? Il va falloir que j'en soude. Ah! Oh! Ah! La bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Ok. Ils sont morts au courbin, je m'en fiche. Et celui sur lequel je marche. Lui. Gourdin aussi. Bon, que des gourdins. Ah, il y a un... Ah, il y a un autre esprit. Un autre élémentaire de l'air. Et bah, allons-y. Putain, et les deux, ils font rien. Je comprends pas comment ça se fait. Ça, c'était moi qui ai craqué. Ça devait pas être agréable. Ah oui, c'est pas agréable, je peux vous le confirmer. Suivez-moi. Allez, on se dépêche, les deux, les gens. Qui c'est qui a fermé la porte? Merci. On m'a dit qu'il y a un passage scellé ici. D'accord, pourquoi? Ok, il y a un cadavre ici. Là, c'est de l'autre côté. Il y a un cadavre qui est boursouflé à cause de l'eau. Toi, cadavre récent. C'est un cadavre récent. Porte. Est-ce que je peux l'ouvrir avec mon couchetage? Si je peux l'ouvrir, ce serait pas mal. Hein. Une clé spécifique est nécessaire. Ah. Ah. Une clé spécifique est nécessaire. Bon, on va ouvrir cette porte. La vie trouve toujours un chemin. Hein. Alors, là je peux redescendre et là je peux remonter par là. Je vais aller par là pour, dans un premier temps. Savoir ce qui se passe, savoir ce que je peux faire. Trousse à piège, outil de voleur. Oh, c'est toujours utile l'outil de voleur. Et je peux pas aller plus loin, très bien. Et ben on va continuer d'explorer. Et là, du coup, j'ai fait la part jusqu'à là-bas. J'ai fait tout le tour. Oula, oulala. Il y a un golem. Il y a un bout de golem là. Il y a un cadavre ici. Parchemin, bâton. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà vu une masse de pierres vives. J'espère que vous n'avez pas de nous en faire un ennemi. Bah, c'est pas prévu. Moi, je le laisse là. Hein. Le machin, il est un peu gros, si t'as bien vu, mon cher. Mais bon, c'est juste pour être sûr et certain que cet endroit a été visité. Et il n'y a pas grand-chose ici. Ça va être beaucoup d'exploration, je pense. Ah, et il y a des rats. Il y a des rats. Pourquoi il se barre? Ah d'accord. Il s'est barré parce qu'il était attiré par Gan. Il en reste encore. Hein.
Pas fermé. Je suis éveillé, endormi. Ok. Des essences. Des essences. Oui, il n'y a que des essences ici. Très bien. Pour le moment, il n'y a rien d'autre. Attends. Non, il m'attaque. Je peux rien faire à part les attaquer, mais ça va, heureusement. Là, qu'est-ce que... Il y a une porte ici. On va voir ce qu'il y a. Ouais, il y a un tout petit chemin, sûrement. Je vais continuer tout droit. Il n'y a rien tout droit, bien sûr. J'aurais dû pouvoir venir. Ok, c'est un couloir un peu étrange. Ah, cadavre récent. Ce cadavre semble récent. D'accord. Bien vu. Y'a rien ici. Oh. Est-ce que... Ah non, ça mène à un escalier. Ça mène à un escalier. C'est tout ce que ça fait. Pas d'informations sur l'escalier. Ça me perturbe. Il y a un levier qui doit traîner quelque part. Mais alors, où est-ce qu'il est? J'en ai aucune idée. Et alors, pour accéder à cette zone, j'ai l'impression que... Ah, peut-être par là, il y a peut-être moyen. Parce que là, c'est inondé, donc je peux rien faire. Ah, il y a un cadavre là. Et là, il y a la suite du chemin. Cadavre. Un gourdin. Il n'y a que des gourdins ici. Est-ce que les gourdins peuvent faire office de levier? Ah, est-ce que les gourdins peuvent faire office de levier? Tiens. Est-ce que j'arrive à savoir ce que c'est? Non, c'est pour moi, c'est juste des gourdins. Oh, ça c'est quoi? Jambière de golem vélos. Ah, jambe de golem vélos, pardon. Oh, ça a l'air intéressant, ça. Ça a l'air intéressant. Ah oui, c'est vrai, je peux en jouer automatiquement. Lamentation des morts, mais c'est un... Oui, non, c'est un bouquin. Il est où mon sac? Il est là. On va l'ouvrir et je vais laisser les jambes dedans. Je vais aussi ranger quelques petites choses, hein. Toutes les pierres. Pas des objets trop lourds. Voilà. Là on est pas mal. Puis aussi on va penser. Putain, les gourdins, je peux. Mais c'est juste des gourdins. Oui, bon. Hop là. Ça pèsera toujours moins lourd. Hein. J'ai 20 potions de guérison suprême. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, alors, tout droit. Tout droit, là-bas, du coup, c'est le chemin. Je peux pas aller parce qu'il y a de l'eau. On va aller là-bas. Là, il y a rien du tout. Là, mais attends, j'ai pas vu, pardon. Non, il y a pas de porte. Il y a pas de porte. C'est pas une porte, ça. Oh, une porte. Oh là, il y en a. C'est nouveau, ça, je l'ai pas vu. Et il y a une salle là. Ah, un autre appareil, Maski. Ça m'en fait deux.
Donc le magicien là, ou le mage, j'ai oublié, il était pas bête. Il y a donc des machines. Bon, les élémentaires, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a là? On a exactement la même chose. Il y a même un cadavre. Avec une arme. Avec une armure. Bon, bah du coup, pareil. Bon, on va faire le même chemin. Ah, il y a un levier. Je vais prendre le levier. Et je vais prendre le globe. Et du coup, faut que je retrouve un cadavre récent. Et du coup, de la poudre élémentaire. Suivez-moi. Un cadavre et de la poudre. Bah si je fais le chemin en sens inverse, normalement, je peux déjà trouver un cadavre et de la poudre. Et du coup, je pourrais actionner cet appareil avec le levier. Est-ce que cependant, si je prends le levier, ça va pas désactiver le mécanisme? C'est la partie un peu inconnue. C'est parfait ça. Un cadavre et un élémentaire à côté. Ah, le cadavre a disparu, il est mort. Y a pas un cadavre par là-bas? Non. Faut que j'aille si loin. Je sais qu'il y en avait un dans le couloir. Il y en a un dans le couloir, j'en suis sûr et certain. Dans la petite salle là, il y en avait un. Faudrait qu'il me suive. Voilà. Cadavre récent, c'est ça. Hop, on approche le globe, on a le sang. Demi-tour, non? Oui. Ah là, pardon, excuse-moi. Hop là. Heureusement que j'ai gardé Kaylin, hein. Ça c'est vraiment très très fun. C'est vraiment, je pense, un des persos les plus pétés du jeu. Oh, il y en a un autre. Est-ce que si je passe à côté... Normalement, il y a de la... Faut que j'en retue un... D'accord. Bon, bah on va le défoncer. Hein. Il y en a toujours un qui m'énerve. Poudre, hop, tac, 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 ça c'est bon. Très bien. Et du coup, on va retourner à l'appareil masqué. Je pense que c'est dû à certains personnages qui doivent considérer que le chemin est bloqué quand on a deux. Voilà, je pense que les deux là, en fait, vu qu'ils ont la même vitesse, ils doivent se dire que le chemin est bloqué. Ou alors c'est à cause de l'apparition. Alors, je suis éveillée. Du coup, je place le globe, il est là, très bien. Et si j'actionne, du coup, j'insère le levier, voilà, et j'utilise, l'appareil se met en route, c'était ça. J'ai cru que j'allais hiberner à force de vous regarder travailler sur cet engin, dis donc. Et donc, du coup, l'élémentaire est capturé. Et je peux pas lui parler. Est-ce que, du coup... Alors, attends. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas prendre le levier. Oh, shit. Il faut que je trouve les leviers. Ok. Ça va être un souci parce que je n'ai pas d'indice sur où se trouvent les leviers. Est-ce que du coup, si ça en capture un, ça les enlève de la salle? Oh là! Le garde-fou manie une hache. Oula! Oula là! Ah là, par contre, ouais. Voilà. Et puis on va laisser le jeu se débrouiller. Oula. Au coup. Lui. Au coup. Putain. Au coup.
Ah non, mais il est en train de m'aider. Oh, il fait du 32. Il fait du 32, c'est quand même le meilleur. Eh, c'est quand tu veux, hein. Pour attaquer. Voilà. Alors, hop, lui. Pourquoi il attaque pas? Je comprends pas. Des fois il attaque, des fois il attaque pas. Il y en a encore un ou c'est bon? Il y en a encore un. Qui vient de mourir. Ok. Parfait. Parfait tout ça. Gourdin. Ah, cadavre récent. C'est juste un cadavre récent. Oui. Une dague. Des nerfs. Et une dague. Toujours pas de traces de levier. Je me demande si c'est pas eux qui les ont. Hein. Une hache. Oh, hache de guerre d'Ouégar. Oh. Ça, par contre, ouais, c'est intéressant, ça. Bon, c'est un peu lourd, je pense, surtout. Je pense surtout que c'est lourd. C'est bien ça. Je commence à être un peu lourd avec tout ça. Mais alors, je ramasse énormément de trucs. Je peux me refaire un petit pactole. Hein. Je peux me refaire... Je crois que j'ai déjà remboursé mes 50 000 que j'ai... que j'ai perdu en donnant de l'argent à tout le monde. Et cette salle ne sert... Ne sert que de salle. Et il y a une seule porte ici. Et il n'y a pas le choix. Attends. Voilà. Hop là, ça va aller assez vite, voilà. Hop là. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un... Ah oui, donc là aussi, on va devoir faire un détour. Ah, mais je peux pas aller par là. Je suis obligé, d'accord, je pense savoir. J'ai fait tout le tour, mais je peux pas aller au centre. Pavois. Je m'en fiche de ton pavois, mec. Oh là là, ils ont pas ce que je veux. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a encore un élémentaire. Ça va aller vite. Ça va aller si vite. Ils attaquent même pas. Voilà, ils attaquent même pas. Donc, là. Oula. Oulala. Là, y a. Là, il y a du monde. Il y a du monde et il va falloir me suivre, messieurs. Bon, bah, bagarre. Ah oui, il y a du monde, en effet. Hein. Oh là là. Il y a du monde, il y a du monde. Ah, il y a une autre panthère là. Ok, bah, c'est bien. Et le cadavre, voilà, est-ce que tu vas me donner? Toujours rien d'intéressant. Et là je suis bloqué, on dirait. Et là je suis bloqué. Ah. Ah. Alors là on va avoir un souci. On va avoir un souci, messieurs dames, c'est que bah je sais pas où je dois aller. Ils vont attaquer. Ok, donc là j'ai fait tout le tour en fait. J'ai fait tout le tour, je pense. Oh mon amour, mon amour, ta chère coincée dans ma. Je pense que j'ai fait tout le tour. Tu étais trop ouais, salée, ouais, mon ouais. Amour. Alors là. Quand je rentre, je
Ouais, il va y avoir un souci. Il faut que je trouve les leviers. Enfin, le levier plutôt. Oui, pour l'instant, il y en a que deux. Faut que je trouve deux leviers. Ou un levier, je sais plus. Je vais commencer à être perdu. Deux leviers. Écoutez, ça va être le moment où je vais devoir chercher un peu à droite à gauche et puis je vous dis quand je les ai trouvés en fait. On fait comme ça.